Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est lundi. Et comme prévu, je vais vous faire le pack opening. Donc le pack opening. Donc normalement, cette vidéo sortira aux alentours entre, je pense, 18h et 19h. Je pense que c'est possible. Voilà, ou un petit peu plus que 19h. Je pense que ce sera ça. Donc c'est tout de suite, c'est parti. Donc, alors, sur les 30 packs que j'ai à ouvrir, on va en ouvrir 15 plus le pack joueur quotidien. Donc voilà, je vous montre déjà un petit aperçu. Donc voilà, tous ces packs là, essentiellement des packs TOTS, avec beaucoup de packs TOTS Bundesliga, exactement à peu près, si je compte bien, ça fait 17 packs TOTS Bundesliga. Donc je vais bien sûr vous les montrer. Je vais de nouveau vous montrer l'équipe de la semaine. Donc juste, je vous remonte mon équipe. Donc voilà, qui a vachement augmenté déjà avec Quaresma maintenant à droite. C'est déjà bien mieux avec David Luiz en défense. Donc ça augmente, c'est cool avec Alexandro en DLG. Donc c'est pas mal, je vais d'abord vous montrer vite fait. Donc de nouveau l'équipe de la semaine. Donc vous voyez avec Jemerson, Saul, Vitolo, Strootman, Reus, Kane. Voilà, c'est ceux que j'aimerais bien. Sincèrement, je pense que pour mon équipe, Vitolo ce serait sympathique. Vitolo ce serait vraiment bien. Ou après, ce qui m'intéresserait aussi, Saul. Saul c'est déjà pas mal. Donc voilà. On en a déjà 3 sur 10. Peut-être qu'on pourrait avoir Kane. Bon, peut-être pas jusqu'à Kane, mais voilà. Et en TOTS, je vais vous montrer donc l'équipe. Enfin, tous les joueurs qu'il y a en TOTS. Donc, c'est ici. Voilà. Donc, avec Hummels, Lewandowski, Neuer, Thiago, Pisek, Forsberg, Dembélé, Süle, Aubameyang. Après, je vois pas, c'est caché. Keita, j'aurais dit, il n'ajoute un, je vois pas, il est caché. Lui qui fait une célébration, je vois pas très bien qui c'est. Bon, voilà, ouais, quand même du lourd avec Neuer, Lewandowski. Il y a du lourd, quand même, il y a du lourd. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas Müller. Müller n'y est pas dans l'équipe. Non, il n'y est pas. Ouais, voilà, bon, c'était pas non plus une saison fou ce qu'il a fait. Voilà, c'est mieux. Je pense que Lewandowski et Neuer, c'est, pour moi, c'était les meilleurs avec Thiago. Thiago aussi, une très très bonne saison de sa part. Donc voilà. Donc c'est parti, on va ouvrir. C'est pas qu'on va commencer, bien sûr, par le pack joueur quotidien. Donc, c'est parti, le pack joueur quotidien. Allez, si on pouvait avoir un joueur qui pourrait nous servir, parce qu'en ce moment, dans les packs joueurs quotidiens, c'est pas mal ce qu'on a. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Dommage. Et bon, maintenant, il n'y a plus que des ors, donc ça, au moins, c'est un point positif. Plus que des ors. Donc là, on va juste prendre la récompense. Non, activité. Donc, c'est parti, on va commencer avec 15 packs à ouvrir. Donc, on va commencer tout de suite par un pack. Le pack gardien. C'est parti, le premier pack, on va voir. Si on peut avoir du lourd dans ce pack gardien, c'est parti. Malheureusement, 15-61. Oui, bon, je m'attendais pas non plus à du lourd, mais j'en avais un, donc... Ensuite, maintenant, on va aller ouvrir le pack recrutement nouveau venu, 1 sur 2. On en laissera pour le prochain pack opening, qui arrivera, je pense, encore la semaine prochaine, tous les lundis, voilà. Allez, c'est parti. Ouais, bon, 65. Pas très bon. J'espérais un petit peu plus. Donc là, maintenant, les packs TOTS. Les packs TOTS, on va en ouvrir beaucoup aujourd'hui, des packs TOTS, Bundesliga et Première Ligue. Barclay, si vous préférez. Dommage, 74, c'est pas mal. Voilà, j'aimerais bien qu'on ait au moins, sur tous les packs TOTS qu'on va ouvrir, ce serait bien d'avoir 3 joueurs, 3 ou 4 joueurs qui pourraient nous servir. Ce serait pas mal, 3 déjà. Ouais, voilà. Ouh, quand on parlait de lui, quand on parlait de Müller. Ouh là 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 là, quand on parlait de Müller, vraiment, c'est là qu'il est venu. On passe à 83 d'attaque en plus, c'est vraiment très très cool. J'avais dit, hein, du coup il est venu chez nous. Hein. Il est venu chez nous, il n'est pas dans l'équipe TOTS, bah, il est venu chez nous, donc c'est vraiment cool. Müller dans l'équipe, c'est vraiment cool. Encore un joueur élite en plus. Donc maintenant quand on montre tous les joueurs, on passe à 81 et en titulaire on est à 82 toujours. Donc c'est vraiment cool, ça progresse l'équipe, vraiment on a été patient et du coup on commence à avoir de très bons joueurs. Je pense que quand on arrivera en juillet, je pense que l'équipe elle sera déjà pas mal. Voilà, donc déjà pas mal, surtout ces packs qu'on a ouvert, donc déjà un bon joueur dans les packs Bundesliga. On va ouvrir le dernier parce que souvent, c'est les meilleurs ceux qui sont vers la fin. Ah bon, après je dis ça comme ça, mais bon, c'est parti. Dommage, dommage 73, si on peut au moins être plus de 73 à chaque fois, ce serait quand même bien. Allez, de nouveau un pack Première Ligue, puisque j'aimerais bien terminer un plan pour avoir un joueur TOTS à 90, hein, parce que si je réussis à avoir 50 joueurs de Première Ligue ou de Bundesliga et 10 jetons Bundesliga ou Première Ligue, et ben normalement j'aurai du coup un joueur TOTS Première Ligue ou un joueur TOTS Bundesliga. C'est parti. Dommage à 75, défenseur central. Dommage.
Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans les prochains packs? Allez, on va continuer avec un pack Tots à nouveau. Un pack Bundesliga même. C'est parti. Dommage, un 72. C'est pas super là, sur le coup là, le 72. Mais allez, maintenant on va ouvrir les packs. Bien sûr qu'on adore les packs équipe de la semaine. Allez, on ouvre le deuxième. Puisqu'on va tous les ouvrir aujourd'hui. C'est parti. Guerso, je crois qu'on l'a déjà eu, Guerso, si je me trompe pas. Donc lui, peut-être que je vais essayer de le revendre à un prix assez honnête. Bon, voilà. Après, si on pouvait au moins avoir un élite sur les deux packs équipe de la semaine qui nous resterait, ce serait cool. Au moins le plus, on s'en lequel on s'en fiche, mais au moins le moins bon, ce serait déjà pas mal. Mais au moins un élite, c'est tout ce que je demande. Je demande pas non plus quelque chose de fou, mais voilà. Donc allez, donc on laissera un pack recrutement pour la prochaine fois. Allez, il nous reste bien sûr 6 packs à ouvrir. C'est parti, on ouvre encore un pack Tots Bundesliga. Je le sens bien celui-là, je le sens bien, c'est parti. Dommage le 73 là, l'attaquant. Bon après, attaquant, c'est pas ce qu'il nous faut. C'est plutôt au milieu qu'il faut encore améliorer parce que maintenant, attaque et défense, c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut améliorer le milieu, hein. C'est vraiment le milieu qu'il faut améliorer. Allez, lui là, il faudrait aller au moins 77. 77, ce serait cool. Ouais, bah 77, mais malheureusement, ça pourra pas nous servir à grand-chose. On va encore ouvrir un pack Première Ligue. Donc, BPL, Tots. Parce que c'est vraiment bien que les Tots, ils arrivent à ce moment-là. Parce que c'est cool. Vraiment, ouh, pas mal. 74, il peut nous servir en milieu offensif. Donc voilà, deux joueurs qui pour l'instant peuvent nous servir. Maintenant, un troisième, ce serait mon objectif à atteindre aujourd'hui. On va de nouveau ouvrir un pack équipe de la semaine et on terminera par le tout premier là. J'ai ouvert le deuxième là maintenant et à la fin on ouvrira le tout premier. Allez, c'est parti. Un bon joueur peut-être. Oui, Vitolo. Et voilà un bon pack opening. C'est vraiment un bon lui parce qu'on espérait avoir ça. Et en plus on a eu Vitolo. C'est vraiment lui que je voulais pour augmenter le milieu. Donc c'est bien. 79 je pense. Même pas. Même pas on augmente à 79. Mais bon, nouveau milieu gauche. Donc on va aller voir l'équipe tout de suite. C'est vraiment cool. 83. Là, il a été mis en milieu gauche. Moi, sur mon autre équipe, sur mon autre compte, je l'ai 82 ou 83 milieu droit, par contre. Donc voilà, c'est cool. Bienvenue dans l'équipe Vitolo, c'est vraiment cool d'avoir ce joueur. Il pourra nous servir, il peut être très très intéressant. Donc c'est vraiment bien. Allez, donc là, maintenant, on va terminer puisque ce pack opening, on a atteint notre objectif. Et du coup, dans le dernier, j'espère encore avoir un élite. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais Jamerson, ce serait pas mal parce que Jamerson. C'est pas non plus fou de demander ça. Allez, l'avant-dernier pack. L'avant-dernier pack de ce bon pack opening, on va dire. C'était bien aujourd'hui, c'est parti. 75, dommage. C'est pas grave, mais maintenant le meilleur. Pour la fin, le meilleur, c'est bien sûr le pack équipe de la semaine. Allez, là. Allez, là, j'aimerais vraiment avoir un élite. Ça me ferait hyper plaisir. S'il vous plaît, un élite. Pour terminer, c'est parti. Encore Guerso, dommage. Bon voilà, malheureusement, on n'aura pas eu plus, mais on aura quand même atteint notre objectif de 3 joueurs qui pourraient nous servir. Donc c'est quand même bien d'avoir l'équipe. Donc, titulaire. 81 quand on monte tout est titulaire. 82. Donc, c'est pas mal. On va dire que c'est un bon objectif. C'est pas mal. Un bon pack opening aujourd'hui. Donc voilà, on va aller voir l'équipe de la semaine. Donc, ce qu'on compléterait. Donc, pour l'instant, on a 3 joueurs. Oui, bon, alors on en a un petit peu plus. Bon, on a Vitolo, mais bon, voilà. Moi, c'est pas comme ça que je le fais. Mais bon, on pourrait plus. Bon, on a 3 fois Guerso, mais bon, puisqu'on l'a 3 fois, je vais essayer de le revendre si ça peut se revendre. Sinon, tant pis. Mais bon, voilà. Sinon, j'espère que ce pack opening vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, moi, je vais vous dire du coup à jeudi pour une prochaine vidéo. Donc, normalement, jeudi. Il y aura la vidéo sur un match, le match contre le SCO d'Angers. SCO d'Angers à l'extérieur. Donc voilà. En tout cas, d'ici là, vous pouvez regarder mes dernières vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Moi, je vais vous dire du coup à jeudi. Et bien sûr, ciao tout le monde, c'était Lucas!